C'est chaud. Hein. En plus, genre, il est collé à toi toute la soirée, puis d'un coup, elle débarque, il n'y a plus de Chloé. Il est Virgile, en plus. Il passe sa soirée collée à elle, et là, maintenant, il se colle à Virgile. Mais pourquoi t'es perturbée? Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'étais en train de parler, elle me faisait des confidences. Et genre, je vois que t'arrives, genre, je dis. Oh. Quel genre de confidences? Elle me dit, ouais, t'es parti avec moi, tu m'as manqué. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et toi, qu'est-ce que tu lui répondais? Hein? Tu lui réponds quoi? Je lui répondais, pourquoi tu me dis ça? Ça maintenant? Et on s'est mis ensemble. Et même quand on était ensemble, c'était toujours moi qui faisais des pas vers elle. Et une fois que je suis plus avec elle, et que je me rapproche d'une autre, c'est là qu'elle vient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu malsain. Non, là, c'est trop, là! Alors là, je me dis que Virgile, il a rien compris à la discussion qu'on avait eue. Je suis très remontée à ce moment-là, donc cette fois, je décide de pas lui donner le plaisir de lui montrer que ça me touche. Je préfère rien dire. J'ignore carrément Virginie et Virgile. Moi, j'y crois plus. T'as la preuve en image. Hein. Ouais. Moi, j'y crois plus du tout. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui a aucun respect pour moi. C'est quelqu'un qui a même pas été capable de respecter une relation qui a été pour lui, soi-disant. Donc franchement, moi je te dis juste pour toi, hein, fais attention. Il est très fort, il a ce côté très gentil, très attachant. Ouais. Moi je t'assure que de mon côté en tout cas, avec en plus de ça ce que je vois, il est mort. Mais non, mais là Virgile il sent plus là, il non, mais là, il J'ai l'impression qu'il se prend pour un Mac quand il fait ça, mais en fait Virgile... T'as toujours rien compris, tu es complètement ridicule. En tout cas, si j'aurais un mot à dire à Virginie de la part du club des ex, parce que Virgile, il enchaîne, il est dans un harem, ben c'est bon courage et c'est cadeau, c'est offert. C'est avec grand plaisir. Ça a l'air fou à Yuri. C'est ouf. C'est jamais non, mais bébé, c'est parce que ça tournait que sur les côtes. Non, mais ça va. Non. C'est pas du tout. D'ailleurs, en plus tu bégayes, tu bafouilles. Ah ouais? Ouais, c'est qu'il y a quelque chose de louche là. Non, il n'y a rien de louche, c'est juste que je suis hyper perturbée de ouf. Je me sens obligé de rassurer Virginie parce que j'étais en train de parler avec Chloé au moment où elle arrive. Donc forcément, Virginie, elle se dit, bah qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin, il me prend pour une conne. Et je suis pas très convaincant parce que je suis hyper dans le malaise ce soir, j'arrive pas à redescendre. Et ouais, c'est très très gênant comme situation, mais j'essaie vraiment d'être convaincant. Mais je vois que Virginie, elle a besoin encore d'être rassurée. Je suis pas bien. Là. Bah ouais, c'est parce que t'as toutes tes ex autour de toi. Prochaine fois que je vois Virgile, je viens avec deux bombes antiparasites pour tous les cafards. Et... Chloé, Inès. Ok, bien sûr. Ah, ouais, c'est sûr. Non mais sinon je te reverrai pas. Attends avec toi. Et quand il dit ça, bah c'est vrai que ça me fait plaisir. Qui me préférait moi, ça m'apaise. J'en avais besoin. J'embrasse Virginie à pleine bouche devant Inès et Chloé. Et je m'en fous, en fait, c'est pour leur montrer que vraiment, laissez-moi tranquille. Laissez-moi commencer une autre histoire parce que j'ai besoin qu'elle me laisse tranquille, en fait. Et j'ai vraiment envie de leur montrer que, voilà, vous êtes là, ça change rien. Don't know how to play it cool. Franchement, virgule, moi, je... Stop, virgule. Et entre Virginie et Toutrala, stop. C'est bon, je sais pas ce qui se passe dans sa tête à lui, je...
Moi, j'ai envie de lancer là une valise à bombe, parce que là, il y a un moment donné... Mais soit il prend Virginie, il arrête de nous casser la tête avec Inès et Chloé, ou soit, je sais pas, il se démerde. Mais à un moment donné, il faut qu'il fasse un choix.